admirons. Marchez, préparez-vous. Maintenant qu'Athènes et Sparte sont à couteau tiré. Il nous faut des recrues pour renforcer l'équipage. Je sais par où commencer. Le meilleur archer que je connaisse. Il nous serait très utile. Et on peut le rencontrer? Eh bien, il va falloir que tu le persuades. Qu'est-ce que tu veux dire? Fais-le monter à bord, et moi je lui parlerai. Quelques drachmes faciliteront les choses. Donc, si j'ai bien compris, il faut que je l'assomme. Non, non. Enfin... peut-être l'amadouer un peu. Ensuite, tu l'amènes à bord afin qu'on puisse discuter. Tout se passera bien, je t'assure. Plus vite ! Voilà l'île. On va devoir faire. Je devrais envoyer Icaros reconnaître les lieux. Il repérera ma cible. Voilà ma cible. Portez la voile. Préparez les rames. Parez pour la barrage. Va voir un certain Barnabas sur mon navire. Il t'y attendra. Ce sera un bon ajout à l'équipage.
ça que j'aime. Je l'ai trouvé. Bien. Cet homme fera une recrue de choix. Est-ce que ça suffira? Ne t'en fais pas. Nous aurons des tas d'occasions de recruter des gens par la suite. Quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin. Nous devrions voguer vers Mégaris. Une longue traversée peut être agréable, mais les nôtres sont parfois agités. Si tu veux un peu d'animation, mon tableau d'affichage est là-bas. J'y note tout ce qui peut être intéressant. La guerre a transformé le monde, Maïs. On n'a pas affaire à des Spartiates ou des Athéniens, ce sont des bandits et des pirates. Et ce n'est pas... Les Athéniens, ils ont bloqué l'entrée de la baie. Repliez la voile! Force la lune, frappez!
Attention, il veut nous éprôner. Ah, vos flèches. Les lances. Plus vite. Réduisez la vitesse. Archer. Par les tours, plus de vitesse. Reprenez-vous. Archer. Soyez prêts. Nous sommes passés. D'après ce que je sais, c'est en Mégaris que l'on se bat. Les Spartiates préparent un assaut final afin de chasser les Athéniens de la région. Commencez à ramer! Voyez, comme ce chien athénien de Périclès vous craint. Il reste terré dans son Parthénon, entouré de dramaturges et de sophistes. Il n'ose pas vous affronter avec honneur sur le champ de bataille. Il connaît votre force. Il sait que les jours d'Athènes en Mégaris sont comptés. Et il sait que le tour d'Athènes approche. Toi, tu as vaincu le blocus athénien ? Ils étaient sur ma route. Sparte te remercie. Tyché t'a béni, mon ami. Tu es arrivé à temps pour voir mon père remporter une grande victoire. Si Nikolaos est ton père, je crois que ça fait de toi mon frère. Tu as pris un coup sur la tête pendant le combat? Qu'est-ce que tu veux dire? Le loup est mon père autant que le tien. Grotesque. Avant de m'adopter, il avait deux enfants. Et tous les deux sont morts à Sparte, il y a des années. À l'exception de celui qui se tient devant toi. Tu as failli m'avoir. Je ne suis pas né d'hier, Mystios. Restons-en à la raison de ta présence ici. Que vient faire un mercenaire dans une guerre pour laquelle on ne l'a pas engagé? Dis-moi la véritable raison de ta présence ici. Je n'ai pas de temps à perdre. Aider Sparte est un honneur. Je suis venu offrir mon épée au loup de Sparte. Si tu tiens à servir mon père, je t'invite à me rejoindre. Tu me prêteras main forte. La flotte a été détruite, mais Mégaris demeure entre les mains d'Athènes. Avant de livrer bataille à l'ennemi et de le renvoyer chez lui, nous devons l'affaiblir. Ton père, qui est-il au juste? Nikolaos, le loup de Sparte. Mes capacités l'ont impressionné quand j'étais enfant. Il m'a pris sous son aile. Il m'a formé lui-même. Et plus tard, il m'a adopté. C'est mon père. Et mon mentor. Je veux qu'il soit fier de moi. Assurément, les Mystios ont dû entendre parler de lui. Seulement des rumeurs. Je doute qu'elle lui rende justice. C'est un grand guerrier. Un général meilleur encore. Je le suivrai jusqu'au royaume d'Hadès. Comment se déroule cette guerre? Le blocus athénien était une tentative désespérée d'arrêter notre avancée en Mégaris. Désormais, nous pouvons nous préparer à les chasser de cette région.
Nos éclaireurs recherchent des cibles majeures en vue de l'assaut à venir. Sous les ordres du loup, nous ne pouvons pas perdre. Pourquoi as-tu besoin d'un mercenaire pour une telle mission? Tu n'as pas l'air de manquer de soldats. Ce n'est pas une question de troupes. Les habitants sont nos alliés. Nous ne voulons pas engager de soldats sans être certains de remporter la victoire. Mes éclaireurs sont à la recherche de cibles majeures à attaquer. Je veux y prendre part. Ensemble, nous apporterons la victoire à Sparte. Tu n'es pas comme les autres Mystios, n'est-ce pas? Tu es exactement ce qu'il nous faut pour nous débarrasser de ce mercenaire athénien. Si nous parvenons à attirer le chef athénien et à le tuer, nous écraserons ses forces sur le champ de bataille et les renverrons à Athènes. Détruisons son ravitaillement, volons son trésor de guerre, éliminons ses meilleures troupes, et il sera vulnérable. Prends ceci, et montre-le à mes éclaireurs. Si tu les vois sur le champ de bataille, demande-leur ce qu'ils ont trouvé. Ils risquent aussi d'avoir besoin de tes talents. Où est le chef des Athéniens? Il est à Mégara, où il se cache derrière des murailles de pierre, entouré de soldats. Mais si tu élimines ses troupes, détruis son ravitaillement et vole ses richesses, il sera vulnérable. Quel ravitaillement faut-il détruire? Tout ce qui est utile aux Athéniens. Cherche des caisses d'approvisionnement et d'armes. Tu peux commencer par le port de Nisaïa, dans la vallée du roi des Lex. C'est là qu'arrive leur ravitaillement dans la région. Ce coffre que je dois voler, pourquoi est-il si important? Une armée, ce sont des hommes qu'il faut payer. Sans argent, ils perdront l'envie de mourir pour les ambitions de leur chef. Les Athéniens conservent leur trésor sous bonne garde, dans un fort, au pied des monts Géranéa. Je crois savoir ce que je dois faire. Rappelle-toi que chaque soldat athénien que tu tueras nous rapprochera de la victoire. Et lorsque j'aurai mis les Athéniens à genoux devant Sparte, je rencontrerai Nicolaos. Ou alors tu seras le prochain. Bien. Envoie tous ces chiens et sophistes d'Athènes au royaume d'Hadès. Triomphe, Mystios, et le loup veillera personnellement à ta récompense. Si je veux approcher du loup, je vais devoir aider Stentor à vaincre les Athéniens. Bon, ne perdons pas de temps. C'est peut-être un éclaireur de Stentor. Il a l'air d'avoir des ennuis. Je vais étriper tous les Athéniens. Qu'est-ce qui s'est passé ici? En quoi ça te regarde, Mystios? Tu sais quelque chose sur tout ça? Si j'y étais mêlé, tu serais déjà mort. Mais c'est ton jour de chance. Je suis là pour t'aider. C'est Stentor qui m'envoie. C'est Stentor qui t'envoie?
Sparte ne contrôle pas tout Mégaris. Pas encore. Il y a des lieux que je peux rejoindre plus facilement qu'un Spartiate. Les Athéniens se sont montrés plus résistants que prévu. Mais ils ne peuvent rien... Contre Sparte, oui. Je connais le refrain. Mais en attendant ce jour de gloire, il faut découvrir ce qui s'est passé ici. Tu en as une petite idée ? Pas encore, mais ça va venir. Je devrais approcher pour savoir ce qui est arrivé ici. Des soldats de métier qui se sont fait massacrer. Ça m'étonnerait que ce soit l'œuvre de bandits. La cargaison a disparu. Ils ne peuvent pas être loin. Ils ont laissé les chariots. Apparemment, ils sont entrés dans la forêt. Je ne pense pas pouvoir trouver autre chose. Je devrais aller faire mon rapport. Alors, c'était des Athéniens ? J'ai trouvé des fragments d'un cristal vert. Des bandits, alors. La guerre les rend insolents, et ces montagnes ne manquent pas de grottes. Si c'était des Athéniens, ils auraient utilisé les chariots pour le transport. Et... des bandits n'auraient eu aucune chance face à des soldats spartiates. Alors, à ton avis ? Je me demande. Les coupables sont entrés dans la forêt. Autant commencer en cherchant là-bas. Les voilà. Quelqu'un cuisine près d'ici. Ah!
C'est une fête privée où tout le monde est invité. Comment? Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, va-t'en. Vous n'avez pas l'air de meurtrier. Quelle erreur ont commise les Spartiates? Quoi? Non, attends! S'il te plaît, tu ne comprends pas! Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Ça me paraît très clair. Pitié! Laisse-moi plaider notre cause! Vous êtes des meurtriers et des voleurs! Vous méritez la mort! Je t'en prie, non! Tu ne comprends pas! C'est un mercenaire qui a tué les soldats! Non! Ce sont des mercenaires qui ont attaqué les chariots! On voulait manger, c'est tout! Est-ce que tu as trouvé les coupables? J'ai trouvé tes vivres. Et un groupe d'habitants affamés. Et? Tu n'as plus à t'en soucier. Bon, parfait. Bientôt, nous tiendrons Mégara et nous continuerons vers Athènes. Ils n'ont pas agi seuls. Cette affaire ne s'arrête pas à eux. Ça ne te concerne plus. Les coupables ont payé pour leurs méfaits et c'est tout ce qui compte. Tu as bien agi. Sparte te remercie. Sparte te remercie de t'être occupé de ces voleurs. Laisse-moi tranquille. J'ai l'œil sur toi. C'est un spectre. Yeah!
Besoin d'aide? Je suis victime d'une bande de voleurs. Ils disent qu'ils vont venir me tuer si je ne les paie pas. Ça a l'air de te réjouir. Je suis forgeron. Je vois souvent des mercenaires comme toi. Et puis, j'ai l'habitude de manier le marteau. Ces voleurs sont des crétins, Mistios. Si on s'amusait un peu... Alors, tu veux que j'assure une protection? Je savais que j'avais fait le bon choix. Reste près de moi. Allons-y. Je sais que ce sera facile. Fouillez le campement! Je veux savoir où se trouve Choc Spartiate! Ne reviens pas avant d'avoir la tablette. Oui, Polémarque. Tu as perdu quelque chose? Pas perdu, mais volé. C'est Stentor qui m'envoie. Il a parlé d'ennuis avec des espions. Je préfère un espion athénien à un traître spartiate. Dans tous les cas, il faut le trouver. Il a pris une tablette portant des informations cruciales. Où est cet espion? Toujours dans le campement? Si je le savais, je me passerais de toi. Je doute qu'il soit encore là, mais il n'a pas pu aller loin. Il a été blessé quand il a tué le garde. Ça ne ressemble pas aux actes d'un Spartiate. C'est peut-être un imposteur. Notre ravitaillement a été attaqué récemment. Et il y a plus de mercenaires en Mégaris que de tics sur un bouc. Et puis, quel genre d'homme oserait tourner le dos à Sparte? Je les trouverai. Lui et ta tablette. Je reviendrai avec ta tablette. Les montagnes et les forêts de Mégaris sont dangereuses. Et il n'a sûrement pas agi seul. Je suis parfaitement capable de m'occuper de ton espion. Kéré.